Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo, c'est la troisième, on va continuer notre petit mode aventure. Non, la quatrième vidéo même, la quatrième je crois bien. On va continuer notre mode aventure. La quatrième, on avait fait quoi? On avait, je crois, sauvé une personne d'un bûcher, quelque chose comme ça. C'était plutôt cool, c'était plutôt sympathique. Entre-temps, j'ai changé, je crois que j'étais encore Challenger Alchimiste, je crois, dans la dernière vidéo. Du coup, Challenger est au niveau max, et au niveau 10. Ça va, honnêtement, ça va vite hein, pour monter les classes. Du coup, j'ai pris médecin et j'ai aussi pris chasseur. Donc, c'est les deux, vous pouvez les trouver dans la ville et tout. Donc, j'ai commencé par médecin. Donc, médecin est sympa. Médecin est sympathique. Il y a un truc assez sympa avec médecin. Il y a honnêtement énormément de builds à faire et tout. Il y a plein d'idées qui me viennent, mais putain, ça va prendre du temps. Mais, genre, le régénérateur, genre, on récupère, si on soigne en fait nous ou nos alliés, on récupère des reliques. Donc ça, des charges de reliques. J'ai trouvé une relique assez sympathique. C'était quoi? Je crois que c'est ça. Alors, il y a déjà ça. Genre, il y a le bouclier. Il y a ça aussi. N'accorde pas de soins. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, je crois. Donc, à l'utilisation, régénère 57% de votre santé maximum en 5 secondes. Donc, à peu près, pour moi, ce sera à peu près dans les 70 HP. Genre là, par exemple, c'est 80 HP en 0,5 secondes. Donc, c'est extrêmement rapide. Là, c'est un tout petit peu moins rapide, mais honnêtement, c'est pas mal. Et après, lorsque le soin s'achève, l'excédent est doublé et converti en soin continu pendant les 20 prochaines secondes. Donc, vous pouvez en fait le pop, le truc, la relique, vous pouvez l'utiliser si vous êtes plein. Et par exemple, on va dire qu'on remet 70 HP. Donc, ça va faire 140 HP parce que c'est doublé. Et pendant 20 secondes, en fait, vous allez récupérer les 140 HP. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant en fait. Ça serait plutôt un soin préventif en fait. Même s'il marche évidemment aussi en réactif, hein, parce que ça génère directement du soin. Mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Et vous couplez ça avec genre le médecin qui récupère des reliques, puis après il peut partager aussi les soins qu'il subit avec le groupe. Vous mettez ça avec un alchimiste qui peut aussi en fait appliquer les buffs et les soins curatifs aux alliés. Enfin peut-être pas les buffs, mais les soins curatifs en tout cas. Je crois qu'on peut faire des super trucs et bien sûr augmenter la consommation enfin la durée des consommables. Donc vous utilisez genre ça le régène, normalement tout le monde devrait l'avoir. Ça il faudrait que je le teste, je suis pas encore certain. Voir si ça marche sur les consommables, le fait de partager en fait les soins. Mais voilà, c'est honnêtement il y a plein de trucs à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est vraiment cool. Donc ouais. Donc ouais. Sinon on a plus ou moins le même build, hein. On est toujours en lourd avec fusil à pompe. Ça ouais, on est toujours plus ou moins le même build, donc fusil à pompe et l'électrique. Donc ouais, c'est vraiment cool. Il y a tellement de façons de faire des builds. Il y a un build, un prochain build que je voudrais bien vraiment me poser dessus. Bon, quand j'aurai fini le tank en gros, ça serait le chasseur. Parce qu'il y a quand même énormément de choses pour tirer dans les points faibles et tout ça, ou même générer des points faibles sur les ennemis. Et ça m'intéresserait beaucoup de tester ça et de faire des très très gros dégâts en fait. Donc ouais, bah, tiens, on va aller là. Donc ouais, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Mais ouais, sinon notre gameplay n'a pas vraiment changé hein, pour le moment. Mais j'ai récupéré pas mal de choses. Bon, on est toujours en argent, je suis à 8000 d'argent, je suis content. Et on a toujours, on a plein d'anneaux. On a plein d'anneaux, c'est débile. Enfin, c'est débile, non, c'est pas débile, mais c'est abusé en fait le nombre d'anneaux qu'il y a. J'aurais bien voulu qu'il y ait un système pour les mettre dans un certain ordre en fait. Tiens, on a un truc en haut. C'est un cul-de-sac, ça. Donc ouais, je suis assez impatient de pouvoir tester plein de différentes choses. Parce que honnêtement, c'est pas très compliqué. Anneau de résistance. Ah, je l'avais déjà. Pas très compliqué en fait de faire des builds parce qu'il y a tellement de choix et vous pouvez plus ou moins faire un peu ce que vous voulez. Cadeau.
Et c'est super fun de regarder différentes personnes jouer au jeu, en fait. Parce que... qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh. Ça serait bien que l'eau s'électrifie. Merci de m'aider. C'est super fun en fait de regarder différentes personnes jouer au jeu, parce que beaucoup de gens en fait ont... Enfin, vous prenez 5 joueurs, vous prenez 5 différentes personnes qui jouent au jeu et vous avez 0, allez on va dire 1% de chance, 1% de chance de tomber sur au moins 2 personnes qui ont le même build, ou, enfin les mêmes armes équipées ou les mêmes anneaux et tout ça, voire 0,1% honnêtement. Tellement que tout est aléatoire en fait, et tellement qu'il y a de possibilités. Et c'est super fun, je trouve, ce système-là. Genre, par exemple, il y a des gens qui viennent sur le chat pendant mes streams et ils ont même fini le jeu et tout ça. Ils sont plus avancés que moi, ils ont beaucoup plus joué parce qu'ils ont joué à l'early access et tout. Et genre, ils ont pas ce que j'ai, par exemple. Genre, ils ont pas, par exemple, la tempête de feu, ils l'ont pas. L'énigme, ils l'ont pas. Enfin, y a des trucs comme ça. C'est vraiment fun en fait. Vraiment fun. Pas l'énigme, je crois que beaucoup de gens l'ont déjà. Mais rien que la tempête de feu, par exemple, c'est un truc que pas beaucoup de gens ont, apparemment. Pas tout le monde en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment. Vraiment sympathique en fait de voir ça. Ah oui, aussi, vous voyez que moi je régène automatiquement quand je me fais toucher et tout ça. Et vous voyez que ma barre verte en fait augmente. Donc ça, c'est la barre verte du médic. Et du coup... en gros, passivement, je récupère de la barre, en fait. Donc c'est vraiment sympa. Donc ça sera c'est une bonne chose à savoir, ça aussi. Encore une créature. J'ai l'impression d'être un Ghostbuster, quoi, un SOS Phantom, avec cet arc électrique. C'est marrant. Donc ouais, et la barre verte, une fois qu'elle est pleine, ça veut dire que je récupère une relique, une charge de relique. Donc vraiment sympa. Moi, honnêtement, j'adore cette relique. Le fait qu'elle remette 500 de puissance de mode, honnêtement, pour les boss, ça change tout. Ça me permet de faire ma tempête souvent et tout ça, quand je commence à spammer un peu les reliques. Le régène, il est super. Enfin voilà quoi. C'est surtout la puissance, en fait, je me rends compte. La puissance est tellement utile de pouvoir spammer, en fait, vos modes. C'est très, très, très puissant. Je pense que c'est une des meilleures reliques qu'il y a dans le jeu. Pour tout ce qui est... Enfin, ça peut être bon pour DPS, ça peut être bon pour tank, ça peut être bon pour tout le monde, en fait. Pour soins, même pour genre support. Donc vraiment, vraiment cool. Donc ouais, vraiment très content du jeu. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va quand même faire mes petites vidéos solo et tout ça, parce que... Genre, c'est tellement différent ce que vous pouvez trouver... on va pas se reposer, on n'a pas vraiment besoin. Sinon je perds ma barre verte, donc autant en profiter. Donc la dernière fois j'avais parlé d'une femme qui balançait des bombes. Est-ce qu'elle va être là cette fois ou pas? Ou alors je l'ai pas du tout. Le séchoir à coton. Aucune idée, je me rappelle pas du nom. Il n'y a toujours pas eu de patch, rien. Donc le jeu, bah, là, il tourne super bien, 60 FPS. Puis dans une autre zone, il va être à...
Il va être à 20 FPS sans raison, hein, comme d'hab. Même en regardant par terre et sans ennemis, bon, comme ça. C'est inadmissible, hein, mais bon. Ah, j'ai essayé de... J'ai essayé d'esquiver, mais ça n'a pas marché. Il y a un petit passage en haut. Ne touche pas, merci. Ah non, il y a rien. Bon, on va tuer parce que... Enfin, un peu de répit. Ok, c'est par là. Il y a du bleu là-bas. Très bien, genre un sniper et tout, ou alors un arc. On pourrait genre one-shot les gens de super loin et tout, ce serait vraiment sympa. Ah, merde, ok. Barre est pleine, donc quand j'utiliserai une relique, je récupère ma relique. Après, je peux pas emmagasiner ma barre. Hein. Je peux pas avoir genre plusieurs barres, plusieurs charges. Moi, par exemple, je pourrais l'utiliser juste pour récupérer. Du mode par exemple, parce que moi mes reliques donnent du mode. Y a un passage ou pas? J'aime bien aussi parce que la différence de gameplay entre solo et multi. Et vraiment, il y a un grand pas quand même. Parce que là, vous voyez, j'y vais lentement et tout, je me balade. Je me balade et tout, je fais un peu attention, je fonce pas comme un fou et tout. Alors qu'en coop, c'est plus... on fonce partout, c'est un peu plus intense et tout, le gameplay. Vous voyez, donc c'est deux approches différentes et c'est vraiment... Un truc que j'avais... Oh mon dieu! Ça va. Si vous avez du mal avec les élites et tout, je vous conseille d'utiliser ça là. L'onde temporelle, là, le ralentissement. Il faut que je l'augmente aussi. Il faudrait que je l'augmente au niveau 10 et tout pour pouvoir... augmenter les dégâts, tout ça, à distance, là. Figé par cette arme, c'est une ralenti, c'est pas mal. Mais, le fait de les électrocuter, là, avec les pics qui se plantent sur eux, ça marche vachement bien.
Ça ralentit énormément. Ouais, là, on manque un peu de... De mode, on va utiliser ça. Voilà. Mais c'est vrai que je gagne un bonus quand je le fais. Tenter d'1% de rentrer dessous. Quand je vais récupérer un point de vie, au moins un point de vie. Voilà, je récupère ma relique, vous avez vu. Pas bien, ma vie est bonne. Il y en a un en haut. Le régène est tellement puissant et je suis tellement résistant en fait. Je peux plus ou moins tanker même les boss en fait. Dans un régène de médecin comme ça, je peux tanker quasiment tout en fait. En tout cas ma difficulté pour le moment. Genre je régène nettement plus que les dégâts que je me prends. Et encore j'ai pas... J'utilise cet anneau là, mais en fait je devrais utiliser l'anneau de rempart. Nettement mieux. C'est juste que quand je tue, ça me permet de régène automatiquement, donc c'est pas mal pour le médecin. Enfin en solo quoi. Oh la vache. Pas mal d'élites là dans cette zone. J'appelle ça des élites, mais je sais même pas si ça s'appelle des élites. Bah des gros monstres quoi, des trucs un peu plus gros que d'habitude. J'ai commencé à augmenter ça. Ça a l'air pas mal en fait. C'est 1% à chaque fois, ça monte jusqu'à 10. Il y a vampire aussi qui est sympa. Peut-être finir vampire. Je sais pas trop quoi faire avec les traits. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et j'ai pas voulu me spoiler tout ça, mais au final je l'ai vu dans le forum. Apparemment on peut maxer 6, seulement 6 traits. Enfin on peut avoir 60 points en gros, donc on peut en mettre un peu partout en fait, c'est ce qu'on veut. Les gens se plaignent de ça, je vois pas pourquoi honnêtement, je suis sûr que c'est largement suffisant pour tout détruire quoi. Je pense pas que le jeu soit extrêmement difficile. Les seuls points difficiles du jeu, c'est les boss avec les one-shots. C'est tout. Il y a un truc, vous avez vu, j'ai rempart x5 là. J'ai remarqué que rempart s'active en fait à n'importe quel dégât. C'est-à-dire que même si c'est un petit dot qui fait genre un point de dégât, je gagne un de rempart avec l'anneau. Donc je me demande s'il n'y a pas un moyen de me mettre moi-même en fait des buffs qui font pas trop mal et comme ça j'ai rempart tout le temps. Oh la vache. Il y a un mec derrière moi. C'est pas mal, hein, j'ai aussi ça niveau 10. Donc les munitions ramassées sont directement ajoutées dans le chargeur de cette arme.
Vu qu'il est un peu lent, le poids imperceptible. Je le trouve pas. Ah, mais c'est un amulette. Je dis toujours allumette maintenant. Augmente la vitesse de déplacement de 0,75 et réduit la consommation d'énergie de toutes les actions. 0,75 tous les 5 points de charge équipés. T'arrives à quoi? 4%, c'est ça? C'est ça? Au maximum? Ah mais non, c'est tous les 5 points de charge. Donc moi je suis à 65. Je vais voir un peu si c'est... Ouais. Donc en gros c'est pour ceux qui sont en lourd. Ouais. Après ce qui est intéressant c'est la consommation d'énergie, genre... Ah ouais mais je suis pas en combat, je peux pas voir. Ça c'est un peu embêtant, c'est le problème, c'est que quand t'es pas en combat, bah ils ont pris ça de Elden Ring, hein, honnêtement. Ils ont complètement pompé ça de Elden Ring. La barre d'endurance, elle descend pas si je suis pas en combat. Donc je peux pas vraiment tester. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. On est d'accord que 5 points de charge, ils veulent dire quoi par la recharge? C'est le poids, c'est tout simplement le poids, hein, d'accord. C'est tout bête, hein. Ouais, je pense aussi. Attends, juste une seconde. Je pourrais voir si mes screenshots en fait fonctionnent sur Steam. Normalement, oui. Steam a fait tellement de changements et... Ok, on va continuer. Ok, on avance. Non, oh, coffre. Ah, je suis pas sauté, ça marche. Continuer. Mais ouais, je n'ai jamais fait cet endroit du coup. Un endroit aussi long là avec tout plein de... Qui c'est qui parle là-bas? J'ai testé un truc aussi, c'est changer mon fusil à pompe en tant que... Une sorte de sniper en fait. Où vous réduisez le... la dispersion du tir, c'est pas mal. J'en ai déjà un peu moins là de base. Mais vous pouvez faire des trucs pas mal. What? Oh, ça m'a directement tué. Oh la vache. Violent. Je reposais un peu trop sur mes lauriers. Putain. Ah, je sais que ça fait mal, mais oui, quand même. Quoi. Bon, bah go. On va essayer de tracer, par contre. On va essayer de tracer et on fera un train. Et puis voilà. Ça, ça me permet de courir plus vite aussi. Ouais, c'était assez violent. Les dégâts.
Ouais, on pourrait le tuer parce que ça fait des bons objets, mais j'ai envie d'avancer en fait dans la progression du niveau parce que je crois qu'on était quasiment à la fin. Peut-être aller là. On va essayer de faire un coup de gorge. Presque. Après les mecs quand ils brûlent du coup ils perdent de la vie hein. Donc de faire un train techniquement vous pouvez tous les tuer. Pas mal hein comme train. Oh. Vraiment fait le tour. Ok, très bien. J'avoue que ça fait mal. Les voilà. Par contre, je me demande si l'ennemi va être là. Parce que des fois, j'ai remarqué que quand on les combat et qu'on se fait tuer, ils ont tendance ou à disparaître, ou alors je pense que c'est peut-être... Merde, mais j'ai toujours ça, moi. C'est pour ça que je me disais, je cours vite. Je me dis... Ou ils ont tendance à disparaître, ou alors c'est juste que ça reset. Parce que je sais que des fois, on a des ennemis qui sont... Enfin, même les ennemis, c'est aléatoire. Le placement des ennemis, les élites, etc., etc. Donc c'est possible qu'on le retrouve pas. Oh mon dieu, les dégâts quoi. Ouais, il est là. Voilà, joué. Safe. J'ai échappé belle. Là, le ralenti aide bien. Et je crois que si j'augmente le mutagène de niveau, ça va augmenter le temps du ralentissement. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pas vraiment les dégâts en plus quand c'est ralenti, c'est surtout le ralentissement en lui-même qui m'intéresse. Ok, boss. Ah, mais c'est elle! Je crois. Ou c'est un autre. Il disait que j'étais folle. Mm-hmm. Qui est folle maintenant, hein? Goûtez-moi ça. C'est elle. Butez-les. Butez-les tous. Tiens, je viens de remarquer qu'il n'y a pas de sous-titres. On peut lui faire péter les bombes dans la main. Alors je suspecte que la tuer comme ça, ça peut peut-être faire qu'un truc.
beaucoup de dégâts quand même. Allez, ramène-toi. Elle est où? Alors il y a un endroit un peu au centre, c'est pas mal pour esquiver ces bombes, c'est genre là, j'avais vu quand je l'avais fait la première fois. Ah, ça détruit pas ces bombes. Ouais. On peut faire ça. Oh la vache! Wouah, qu'est-ce qui se passe? Ah, de lui faire de l'électrocuter comme ça avec les pics là, ça a fait péter en boucle. C'est énorme. What? Ah, c'était fun. Grâce à ça. Bon, bah, cool. Tous les objets doivent être ramassés automatiquement. Ah, des fois il y a des réactions un peu cheloues hein, dans le jeu. Hein. C'est marrant de faire ça avec différents types d'armes, différents modes, des choses comme ça. Oh, ça c'est nouveau ça. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Oh, là on a fait un truc, c'était marrant. Faut que je le prenne en short. Sur ma chaîne, je suis en train de faire... En gros, c'est comme si on faisait des clips, vous savez, genre une compilation ou des clips sur Twitch ou des trucs comme ça. Et je, du coup, j'utilise les shorts en fait comme ça, en tant que clip en fait. Donc on est de retour dans le temple, intéressant. On se rappelle que dans le temple, il nous faut toujours un masque. Toujours à la recherche d'un masque. On va utiliser le trait. Tiens, on n'est jamais venu là. Il y a un mec avec qui parler, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Ah, c'est pas le fou là? Le. Ouais? Le bouffon? Wow! Merde, je suis pas regardé la carte. Oh putain, il fallait se mettre devant. Bah, je pense que c'est celle-là parce qu'il nous montrait... Il nous montrait, vous savez, le visage avec les deux masques, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un raccourci. Je découvre complètement. C'est quoi, ça? L'hôtel. Oh. What? Je viens de lui parler et... Ok. Bah, je me suis avancé, j'ai fait... C'est un boss. C'est un piège en fait. Bon bah faut, là, le résultat c'est quoi? Faut pas lui parler. Du coup je suis bloqué. Hein. Que la porte. Hein.
Bizarre. T'es bon, t'es content de ce que j'ai fait? Ah, c'est pour refaire en fait. Ouais, non, mais c'était la bonne carte. Hein. Oula. Ok, là. De celle-là. Non. C'est pas celle-là? Non. Si, 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 ça doit être ça. Si, c'est le masque, yes. Mmh. Ça doit forcément servir à quelque chose. C'est bon. On a les deux masques, let's go. Ah, c'est sympa, si ça... Vous voyez, c'est ça qui est fun dans ce putain de jeu, quoi. Ah, il a fait un château de cartes, lol. Je peux monter dessus? Non, même pas. Bon, bah merci, au revoir. Attendez. Je peux pas aller derrière lui? J'ai pas fait attention. C'est ça qui est fun dans ce jeu, putain, c'est fou quoi. Faut plus de jeux qui fassent ça, qui utilisent ce système là. Après, je connais les genre donjons aléatoires et tout ça, mais là c'est puissance plus quoi. C'est quoi qui me poursuit? On aurait pu se téléporter à un cristal, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ah, on est de retour dehors. Parfait. C'est là où je voulais aller. Quoique. C'est bizarre, c'est comme si j'avais pas découvert l'endroit. Bizarre, il y a des parties qui sont. Palais maléfique. Non, mais en fait, c'est pas la même variante du palais. Mais c'est les mêmes trucs, les mêmes puzzles. Un masque de pierre sculpté à la fois simple et terrifiant. Ah, c'est comme ça que tu changes. C'est bien ce que je pensais. Donc il y a une version en fait ténèbres et il y a une version lumière. Bien ce que je pensais. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la quelle version? J'en sais rien moi ce que ça fait. Voilà. Béatifique. Ah, lui on le connaît. Bah on n'a qu'à faire béatifique. Maintenant on y est. Ok, là ça a plus de sens. Alors. Ça rappelle les elfes noirs et blancs de God of War. Ouah, c'est joli. Ouh, c'est classe. Bienvenue, mortel, à la cour de Faelin, le bienveillant et l'omniscient. Je suis le régicide du vrai roi et souverain de tous les failles. Réjouissez-vous, mortel. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir une telle audience. Vous n'êtes pas un Faelin. Parle plus fort. Mais n'arborez pas la morne apathie. Vous êtes une nouveauté, pour ainsi dire,
Dites-nous donc, qu'êtes-vous? On va faire ça. Vraiment? Eh bien, je m'en voudrais d'être un obstacle entre vous et votre idéal optimiste. Allez, c'est parti. On a tué le prince de feu là. Toi, tu vas pas faire long feu. Bon, okay. J'étais en. Oh, il est résistant. Il a un rempart. Bon, après, on va peut-être se mettre en challenger. Hein. On va peut-être se mettre en challenger. On peut détruire ça ou pas? Non. Si, on peut. Ok. Il m'attire. Oula, oula, oula. C'est quoi ça? En bas. Je peux faire mes habilités, merci. Je recharge mon arme au mauvais moment, évidemment. Aïe, dernier coup. Faut plus de régène. Ils perdent la vie au moins ou pas? Du mal à esquiver. Utiliser ça juste au cas où. On va se remettre un soin. Allez, réagis mec. Mon perso il veut pas réagir. Il veut pas réagir. Ah, attends, on le voit dessous, non? Pas ce que c'est ça. On dirait des trucs cachés en fait. Et là.
avec le régène. Recharger. J'arrive pas à recharger. Ouais, genre là, les anges là. Il faut les tuer ou pas? Ouais, c'est mal. Tornade va peut-être le suivre. Ah, il m'a tué. Ah, on a utilisé beaucoup de d'objets, c'est relou. Ça va, il est pas super dur, honnêtement. C'est juste que j'arrivais plus trop à faire de dégâts, en fait. Surtout ça. Ouais, plus de régène, plus de... reliques aussi. Faut que j'utilise plus de reliques. Quelle bonne plaisante. Oh, j'ai plus de balles pour le l'électrique. C'est bon.
Ah, c'est chiant ce truc là où je... où mon perso il veut plus rien faire. Oh là là, c'est débile. Ou genre il titube pendant quelques secondes là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais vraiment pas pourquoi il titube comme ça. Je trouve ça vraiment débile. Genre j'ai pas le contrôle du personnage. J'ai pas le contrôle du personnage. Complètement con. Oh, complètement con ce système. Bon bah du coup attends, on va vraiment passer au combat. Ça, je sais pas si je reste comme ça ou je change. Ouais, on va changer. Hein. Allez, on va jouer sérieusement. Hop. Non, on va jouer sérieusement, c'est parti. Ah, j'ai plus que 3 régènes. Peut-être en acheter après. Si jamais c'est pas assez, j'irai en acheter. C'est parti. Quelle bonne plaisance. Dommage. Yeah.
Le combat est très sympa, mais je me demande ça là. Y a rien, hein. Je crois que c'est juste pour faire style en fait. J'ai plus de place. Je crois que c'est juste pour le style en fait. Cool. Ah, le combat est très sympa. Bah du coup j'aurais pas coupé parce que en fait ce que je pensais couper si ça dure trop longtemps. Mais en fait non, j'ai pas coupé parce que la troisième fois était la bonne. Ça va. On a un coffre. On a pas de coffre. On a pas de coffre. Non. Là-bas peut-être. Donc est-ce que maintenant on peut le combattre en ténèbres ou je sais pas trop quoi là. Ou est-ce que alors il faut tout refaire, vous savez, il faut avoir genre une nouvelle instance et le combattre en ténèbres. L'électrique a bien aidé pour les boules, mais honnêtement c'était pas vraiment le plus important, les boules au final. C'était plus une distraction qu'autre chose. Genre la troisième phase où il y a les boules qui s'allument genre en carré là, en forme carrée, et qui font tomber des épées. Ça au final en fait on l'esquive, on n'a pas besoin de les détruire en fait. Faut juste se concentrer sur le boss, que le boss, il, pendant que c'est tout le bordel, le boss va vous foncer dessus. Donc au final c'est ça qui est important. Alors on va regarder ce qu'on a eu. Donc on a eu ça. Cœur de l'usurpateur. Un côté bat doucement, l'autre rapidement. Le premier irradie de la chaleur, l'autre est froid comme la glace. Le fonctionnement biologique de cet organe défie l'entendement, mais ce mystère a le mérite d'expliquer le tempérament de son ancien propriétaire. Et est-ce qu'on peut y retourner comme ça ou pas ? Ce serait bien que ça soit une arme au corps à corps, peut-être genre une épée, parce que lui, le mec, il utilisait des épées. Je sais pas. Quelque chose de bien. On va voir s'il y a un deuxième combat de boss. Je vais voir un peu. Ah, peut-être, hein. C'est nouveau. Même si la vidéo dure un peu longtemps, on fera les deux combats. Ah, peut-être que j'ai fait trois essais, peut-être que je couperai un essai. On tue les deux. Ouh, il y a des gens qui ont été massacrés ici. Ah mais attends, faut que je me repose. Par contre là, le jeu commence à laguer. Hein. C'est-à-dire... Mais... Alors... Prenez garde, créature, car vous êtes en présence. Faerin, le Tout-Puissant. Nous sommes le régicide du vrai roi, conquérant de tout ce que nous voyons. Tous doivent trembler et tressaillir en ma présence. Mais vous, Suiso, m'avez rendu un fier service, n'est-ce pas? Car vous avez tué l'usurpateur qui me tourmentait, celui qui se faisait appeler Faelin. Je vous accorde la vie, ainsi que ceci. Partez maintenant, car bien que vous m'ayez été utile, je ne tolérerai pas la présence d'une vermine plus que nécessaire. Ah, c'est ou l'un ou l'autre à tuer sûrement. Les coups critiques et sur points faibles génèrent 10% de puissance de mode supplémentaire. Ça c'est vraiment cool ça. On va le mettre en favori, ça c'est vraiment simple ça. Nous n'avons rien à nous dire, Suiso. Ce n'est pas une cour de vermine. Partez. Ouais, on peut pas le tuer. Ok. Donc j'imagine que du coup, il faut relancer en fait. Faut revoir donc cet événement. Vous tuez celui-là par contre et après vous allez parler à celui-là de lumière. Et voilà. J'imagine que ça va être comme ça.
La deuxième fois, c'est comme ça. On va retourner au service. Bah, c'était vraiment cool. Le combat est sympa. Le combat est très sympa. Le combat est très très sympathique. J'ai bien aimé. On va voir un peu ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Allez, montrez-moi. Alors, oh, c'est une arme de précision. Ouais, c'est avec le cœur. Alors, un fusil à canon fendu d'une précision extrême qui tire deux rails de projectiles transperçants. Dégâts de base élevés, mais ne peut pas infliger des dégâts de points faibles. Chargé pour tirer. Invoque trois fragments d'épée qui vous encerclent pendant 30 secondes. Effectue une attaque au corps à corps. Libère un fragment qui corrompt le sang des cibles, transformant toutes les attaques de traîtrise en coup sur point faible pendant une courte durée. Les attaques chargées au corps à corps libèrent tous les fragments d'un coup. Bof. Donc en gros, tu peux pas faire de dégâts sur les points faibles, enfin tu fais pas de dégâts supplémentaires. Bon, par contre, oui, 120 dégâts de base. C'est, bien plus aujourd'hui. C'est énorme, hein. Vous voyez les dégâts? Genre les plus grosses armes que j'ai, c'est ça par exemple, l'arbalète que j'ai trouvé dans la jungle. Genre 115 de base. Encore. Qu'est-ce que vous m'apportez? Et ça, c'est pas mal, 120 de base. De coups. Après, vous pouvez quand même faire des coups critiques, mais il faut utiliser du coup Ouroboros. Ouais, on peut le faire. Allez, c'est fini. Par contre, quand on utilise Ouroboros, c'est toutes les attaques deviennent des coups points faibles. Ah, c'est joli. Ah, par contre, il faut à chaque fois charger. C'est deux tirs à chaque fois. Vas-y, on va tester. J'ai le jeu maintenant qui commence à laguer. Ça, c'est parce que, bah ouais, on a fait plusieurs zones et... Tiens, on a encore deux parties. Cours du palais... Ouais, c'est le palais maléfique qu'on veut. Parce qu'apparemment, il y a encore deux endroits. Ça, c'est bien aussi que sur la carte, ils vous disent les endroits à explorer encore. Je crois que c'est quand on a fini genre la quête principale. Après, le jeu va vous montrer sur la carte s'il y a encore des trucs à faire. Ouais, mais attends, est-ce que j'ai des ennemis, là? Putain, chier. Bah, on va aller dans le faubourg. C'est plus sûr d'avoir des ennemis. Allez, il y a des animations, honnêtement. Moi, j'aime bien les animations et tout, mais il y a des animations, genre, fais en sorte qu'elles se skippent au bout d'un moment. Ou genre, tu t'appuies sur une touche pour directement avoir accès à la carte et tout. Quand tu dois faire des choses comme ça à répétition, juste fais en sorte que tu puisses skipper les choses, quoi. C'est le béaba, quoi. Enfin, bref. Le fer-bourg. On n'avait pas ouvert cette porte. La prochaine fois, on fera le quartier, le château maléfique. Là. Alors, fais voir un peu. 85. Tu peux alors, tu peux faire des chiffres jaunes, tu peux pas faire des chiffres rouges, j'imagine. Alors, fais voir un peu. Ça fait des dégâts ou pas? Ouais. Ah ouais. Vous avez vu des gars rouges? Attends, est-ce qu'il y a du... Oh, attends, si je fais ça... Non, on m'a dit que...
pouvais balancer les couteaux. Je peux pas balancer les couteaux. C'est bizarre. Ah non, c'est les attaques chargées, pardon. C'est les attaques chargées de mêlée qui font ça. Pardon, pardon. J'essaie de rappuyer en fait sur F pour lancer les couteaux, mais en fait non. On va tester. Par contre, le debuff a pas l'air de rester très longtemps. Je crois que s'il faut jouer ça... Alors, je crois qu'il y a des anneaux et potentiellement des... Oh putain, t'es sérieux? Alors, attends, on va faire plus vite. Il y a des anneaux et des amulettes et tout ça pour augmenter le temps des malus sur les ennemis. Je crois bien qu'il y a ça, hein, qui existe. J'ai une cinquantaine d'anneaux, donc bonne chance pour le trouver, hein, ça. Mais je crois qu'il y a ça... Et du coup, vous pouvez peut-être faire un build avec ça. Genre, vous faites en sorte que récupérez le mod, en fait, très vite. Vous le balancez. Et vous... faites en sorte de que le malus reste longtemps. Alors, fais voir comment ça marche. Ouais, c'est ça. Merde. Tu peux pas te cacher. Mais ça utilise toute la charge. J'essaye de récupérer mon mod en fait. Tu peux pas te cacher. On y est presque. T'es tombé dans mon piège. Ah putain. Ok, on est bon. Intéressant. Ouais, bonne chance pour toucher, hein. Il faut une arme rapide, hein. Il faut genre un couteau. Enfin, une arme, une épée, genre un truc très rapide. Mais par contre, vous pouvez pas loquer, vous pouvez pas vraiment viser. En fait, vous êtes obligé de viser avec le poing et taper ouais, en direction. Honnêtement, c'est pas pratique de faire ça. Ouais. Mais j'ai envie de dire, si vous faites un build avec ça, ça va pas être le build le plus simple à jouer. Hein. Ça va vraiment pas. Il faut beaucoup de choses. Parce qu'à chaque fois... En fait, il faudrait mettre tout le temps ce debuff là, des épées sur la cible, pour pouvoir faire de gros dégâts. Du coup, il faudrait de 1 que vous récupériez votre mod très rapidement. De 2 que vous puissiez le lancer effectivement sur les ennemis et tout ça. Ne pas les louper parce que c'est seulement 3 fragments d'épée. Après, si vous êtes au corps à corps, ça va. Enfin, si, parce que vu que ça tourne autour de vous. Mais après, bah, tous vos dégâts deviennent des dégâts rouges. C'est des tirs sur points faibles. Donc ça peut être vraiment bien. Et puis aussi, il faut que le malus reste très longtemps. Bonne chance. Vraiment bonne chance pour l'utiliser, ce système-là. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.